Chers amis, après la tragédie terrible qu'on a entendue de ces pauvres 45 personnes qui sont, ces tzadikim qui sont décédés à Méron, il y a eu là-bas une très très grande, il y a eu des témoignages de très grande unité, d'amour entre les gens, l'entraide qu'il y a eu. Un des pauvres qui est mort, il a sauvé des petits-enfants, il dit prenez-le, lui, moi, il est plus jeune que moi. Il y a vraiment eu un sacrifice de gens pour l'un pour l'autre. Je pense qu'on peut aller dans ce sens-là et on aimerait relancer maintenant 40 jours. En plus, on a la grande fête de Shavuot qui arrive maintenant. La rubrique « Prie pour moi ». Donc, je rappelle le principe, c'est très simple. Les sages d'Israël ont dit quand quelqu'un prie pour son prochain et que lui aussi a besoin de la même chose pour laquelle il prie, alors on lui répond en premier. Alors, un, ça fait qu'il y aura plus de prières dans le monde et Dieu aime quand on l'appelle, quand on a besoin de quelque chose. Deuxièmement, quand il va voir que chacun prie pour l'autre et comme ça il y a une unité, alors Bézrat Hachem, ça fera beaucoup, beaucoup de bien. Et à vous, et à tout Amisraël, Bézrat Hachem, et peut-être que comme ça, Dieu aura pitié de nous, il dira « Alta notre galoute » et amènera le Mashiach sans effusion de sang. Alors Bézrat Hachem, on remet en route 40 jours de cette rubrique-là. Inscrivez-vous, Bézrat Hachem, ainsi j'espère que Dieu répondra à toutes vos demandes. Amen va Amen. Amen.